Strasbourg reçoit Nancy, c'était hier soir à la Méno. Dès la première minute, Zitelli a inquiété le jeune gardien nancéen Roux. Il a trouvé la transversale. 17e minute à présent, un centre de Rashke, une tête de Zitelli, l'homme en forme du Racing qui inscrit son 10e but de la saison. Superbe but de l'Alsacien. Le centre de Rashke, regardez comme Zitelli coupe la trajectoire pour inscrire ce premier but. Les Nancéens reviennent bien dans ce derby de l'Est avec un centre de Fanzel et une tête de Bonora, tête à l'envers qui bat Vincel. Nancy revient un partout. Et là, regardez, ceux qui votent pour le top but, regardez ce coup franc de Rodriguez, exceptionnel. On n'a pas le droit d'influencer. Il restait, j'influence pas, mais quand même. Bon, il restait 20 minutes. Regardez la trajectoire avant-hier soir, pardon. Frappe de l'extérieur et là, la lucarne avec le poteau, 2 buts à 1 pour Strasbourg. Il y a un homme maudit à Strasbourg, c'est Noumar. Ça fait au moins 10 fois depuis le début de la saison qu'il touche les poteaux ou les barres transversales. Il n'a toujours pas marqué. Et là, Noumar va se faire descendre dans la surface. Il obtient un pénalty que va transformer Baticle. Victoire 3 buts à 1 du Racing Club de Strasbourg sur Nancy.